Du coup, salut les gens, on se retrouve pour l'épisode 14 de cette aventure Outlast. Voilà, bon ben du coup, va falloir avancer dans ce gros trou noir et ça ne m'enchante pas des masses. C'est parti, en avant les gens. Allez, j'aime pas la caméra cassée là. Ouais, quoi? Je vais où? What? Oh putain! C'était quoi cette merde? Mais je vais où là? Je vois plus rien. Ah putain! Mais le son, il est trop fort. What? Ah ouais, carrément. Comme ça qu'on meurt. Mise en pièce de l'intérieur en regardant sa moelle en se répandre sur un mur en béton. T'as réussi à échapper à un enfer, Chris Walker. Et j'espère que t'as pas trouvé un autre putain. Bon. Ok. Je retourne là-bas. La musique. Je l'avais pas vu lui. Enfin, la moitié de lui. Il faut que je retourne en arrière. De filmer des trucs. Oh! Pourquoi Kiki, qu'est-ce qui se passe? Ok. En gros, le message qui te passe, c'est que grâce à la night vision, tu peux voir les fantômes. Ouais. Nous avions obtenu quelque chose de similaire en 1944. Je ne les ai pas détrompés.
Si tu en penses. Promis. He would weep to see what I've built from his dreams. Billy doesn't mean harm. He's a child with a damaged mind, granted the powers of a god. It would make any of us into a monster. You must end this. The war must die here. Murkoff knew the danger, and they didn't care. The corporation's mind, the war just thought about sheer nature. The prophet's project war rider promised overshadowed whatever pitiful balance a few doctors and patients amounted to. He will spread. Ah merde. The morphogenic engine is self-perpetuating. I pray to God. Bah, tout en va, des bisous, hein. Ended here with your death. More than anything, I want to rest. Billy will not let me die. He could never mention how cruel this is. I only want to die. Ok. C'était pas ouvert ça. Du réservoir. Ouais, il a arrêté de me suivre là. Comment je prends le temps de dire?
Voilà les poumons de Billy Hope, 100 fois son système de survie, une machine de taille d'un terrain de foot. Pour conserver un cinglé en vie, fait chier. Faut tout casser, faut qu'il crève. L'assembleur de la chambre d'alimentation, les molécules préliminaires des vagues de souvenirs d'articles. Aux patients, la capsule de survie du moteur morphogénique nécessite une inspection quotidienne de l'ensemble du système vital. Système vital 1, le perfluorocarburant oxygéné enrichi du réservoir de fluide de maintien en vie doit être continuellement purgé et remplacé pendant toute la durée d'un traitement du patient. Note, le PO fournit également des anesthésiants et toute interruption ou baisse de débit peut infliger au patient une souffrance susceptible de perturber l'expérience. Vital 2, l'alimentation électrique est complétée et assurée par le groupe électrogène du labo souterrain. Le niveau de carburant et la maintenance du groupe électrogène du labo souterrain doivent être vérifiés toutes les heures. En cas de panne critique des systèmes vitaux 1 et 2, la sécurité de la capsule de survie s'enclenchera et assurera un maintien. La désactivation de la sécurité entraînera le décès immédiat des patients. Il te suivra dès que tu enlèves son oxygène des poumons. Chou-chou-chou. Bon, après j'essaye de pas me spoiler Play Yubi, c'est vraiment si je galère, parce que je vais essayer d'avoir une expérience au maximum de la découverte. Si après j'ai plus peur, c'est un peu bête. T'as pas le droit de faire ça là.
Vas-y, cours, 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 Bobby. Comment je fais? Désactiver la sécurité de la capsule de survie de Billy. Oh, po, 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 po. Bon endroit. Il est là! Oh putain! Allez, va les couilles! Elle est où sa capsule? Ok. Oh putain! Vas-y, meurs, Billy! Captain Drokan, bienvenue à toi. Sortez. Oh, putain, bon, alors déjà, on va couper l'épisode là parce que ça fait le temps. Du coup, bon, pour les gens qui sont sur le stream, il n'y a pas de soucis, je continue. Du coup, comme d'hab, je fais des poutous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si vous aimez. Et à tout de suite pour l'épisode qui s'ensuit. Ciao les gars.